I'm so fucking happy you're alive. Avoir 20 ans, c'est il y en a qui le célèbrent en mettant une photo sur Instagram avec des ballons de en forme de chiffre. J'ai pas de grande définition pour définir la masculinité, mais pas sûr qu'un gars avoir des photos avec des ballons à 20 ans, ça rentre dedans. En tout cas, pour ceux qui vivent en dehors de l'Instagram, ben eux, ils savent la réalité pis ils freak out. Non mais tu sais, c'est sûr que quand on pense à avoir 20 ans, ça a une connotation assez forte. Mais on sait pas pourquoi. À 16 ans, t'as le permis. À 18 ans, t'as le droit de voter, même si bon, on le fait pas vraiment. À 20 ans, mais comme rien de nouveau. Veux pas, il y a une pression qui vient avec ça, parce que quand on entend des personnes qui sont à 30, 40, 50 ans, ils parlent de leur vingtaine comme si c'était les plus belles années de leur vie. Là, t'arrives, t'as 20 ans, tu penses peut-être que t'as manqué de quoi, je sais pas. Il y a peut-être un arrêt que t'as manqué. Tu veux pas avoir 20 ans, ça t'amène une certaine réalisation où tu fais un... Si on veut un retour sur ta vie, tu veux pas à 6 ans, on s'imaginait tous être plus vieux, on essaie d'avoir une image mentale de ça. On s'imagine tous un peu grand, vraiment plus grand, heureux, on sait qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie. Finalement, mais ça donne ça à 20 ans, un gars au cégep. Pas mal les gros à l'aide de ces temps-ci. Si vous aussi, vous avez peur d'avoir 20 ans, donnez un pouce, abonnez-vous, partagez la vidéo. Ciao! To dream.